Quel rêve? Le nouvel ordre mondial? N'importe quoi. Je vais me renseigner quand même. Aujourd'hui, on va me dire aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais nous devons comprendre que cet empire, aujourd'hui, est en train d'atteindre cet objectif. Et l'objectif final, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. C'est un groupe secret qui a écrit sur une stèle en pierre. C'est une espèce de secte illuminée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pierre, elle se visite et vous avez une sorte de testament qui est écrit sur cette pierre. Regardez ce qui est écrit sur cette pierre. Il suffit d'aller là-bas, vous voyez, c'est clair, hein, personne ne s'en offusque. Il est écrit ceci. Une loi mondiale. Une cour de justice mondiale. Une armée pour l'appliquer. Et une religion mondiale. C'est pas fini, hein. Il est écrit que la population ne doit jamais dépasser 500 millions d'habitants. Henry Kissinger, en 1973, a déclaré qu'il fallait exterminer 80% de la population mondiale pour vivre correctement. Prix Nobel de la paix, s'il vous plaît. Ok ? Non, c'est pas possible. C'est bien réel. Didem, oh Didem, j'ai besoin de te parler. Viens, je serai devant le lac. Viens vite, s'il te plaît. Bonjour, Ethan. Tu m'as appelé ? Didem, bonjour. Il faut que je te dise. Je viens d'apprendre quelque chose. Une secte d'illuminés et les gouvernements mondiaux veulent supprimer 80% de la population terrestre. Ça s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Ethan. Tout est déjà prêt. Ils veulent faire coïncider ça avec 2012 et les prophéties écrites. Pour que les gens croient que c'est une volonté divine ou je ne sais quoi. Ethan. Ce nouvel ordre mondial, ces gens dont tu parles, je les connais. Ils ont l'argent, le pouvoir, ils gouvernent en secret. Et ce qu'ils cherchent au plus haut, c'est l'éternité dans la chair. Non, pas celle de Dieu, pas celle de la beauté ou celle du cœur. Celle-là, ils ne l'auront jamais. Dans leur cœur, il y a tellement de tâches qu'ils ne savent même plus aimer. Ils vénèrent un ange cornu et croient pouvoir décider de la mort d'un être sans conséquence. Quelle ironie! Ce sont des âmes perdues qui se prennent pour Dieu. N'aie crainte. Le bien triomphe toujours du mal, sois-en certain. Et ceux qui brûlent leurs ailes au pouvoir ne trouveront jamais la paix. Ce nouvel ordre mondial ne se fera pas. Ethan, ton âme à toi est pure, dans cette vie et toute celle d'après. Alors vis, vis, et laisse chanter le doux ruisseau d'amour qui est en toi. Au revoir. Et surtout, reste en paix. Merci, Didem. Au revoir.
Non,